premières lueurs dès l'annonce du décès de celui qu'on appelait affectueusement professeur et après confirmation des rumeurs sur les réseaux sociaux, l'émotion est au rendez-vous à la clinique Alain Hondo et fils. Le bureau du professeur Alain Hondo est vide. La famille, le personnel soignant et les patients sont tous sous le choc. Après l'annonce ce matin du décès de ce grand homme qui se définissait comme l'homme au service de l'humain. Né le 6 juin 1952 à Oyem, chef-lieu de la province du Wolentem, le professeur Alain Hondo était une figure emblématique de la médecine gabonaise. D'ailleurs, il avait réussi à attirer l'attention du monde entier grâce à ses avancées scientifiques dans la prise en charge de la drépanocytose. Son départ brutal survient de manière mythique ce lundi 19 juin, une date dédiée à la journée internationale de la lutte contre la drépanocytose, cette pathologie à laquelle il a consacré de nombreuses années de sa vie. Lorsque nous sommes rentrés du Canada en 1979, lorsqu'il a traité un cas de drépanocytaire, ça l'a tellement marqué qu'il s'est lancé là-dedans en faisant des recherches de part et d'autre. Voilà. Voilà. Il a donné toute sa vie. Il s'est investi à 100% sur cette maladie. Voilà. Il a sauvé plein de vies. Président de la Société gabonaise de la drépanocytose, de la Société africaine d'hématologie, professeur émérite, titulaire de pédiatrie, des universités francophones et anglophones, tutorat des recherches scientifiques sur la drépanocytose et la thalassémie, autant de titres qui lui ont permis de se hisser au sommet de son domaine d'activité. Sa disparition est une perte immense pour la communauté médicale gabonaise et internationale. Son héritage en matière de recherche et de lutte contre la drépanocytose perdurera et continuera à inspirer les générations futures. Bien qu'il n'ait plus, nous assurons la continuité sur la guérison de cette maladie, sur comment s'occuper de nos patients et enfants atteints de la drépanocytose. Nous a laissé tous les atouts que possible. Professeur Alain Hondo laisse un grand vide au sein de sa famille, de ses collègues, de ses amis et de ses patients, tous plongés dans la douleur et la tristesse.